Bonjour tout le monde. On est ici à Lorient pendant l'été. Et puis il fait grand beau comme vous voyez. Mais la raison pourquoi on est là, c'est parce que on a décidé après 27 tours du monde de un peu renouveler Pangaea. Pangaea qui pèse 120 tonnes avec une grue. On a sorti notre bateau, on a mis notre bateau dans un cale sec. Et c'est là où on va mettre aux normes notre bateau. On va commencer de changer les moteurs. Quand j'ai construit Pangaea il y a 12 ans, il y avait des autres normes. Maintenant, parce qu'on va vraiment investir notre temps dans l'exploration et éducation et de faire des projets environnementaux, il faut changer les moteurs. Et Cummins a devenu un partenaire de nous et sont décidés de nous donner des moteurs aux normes d'aujourd'hui. Et après, je vais vous montrer exactement ce qui se passe à l'intérieur de mon bateau. Mais ici, une vue unique de cette bête de Pangaea. On voit très bien que notre gouvernail qui fait 3,30 m de long, la taille de cette machin qui navigue et dirige notre bateau dans la glace, il a pris des sacrés pétards. Et puis, il faut qu'on change l'axe, qu'on change tous les roulements, qu'on peut de nouveau partir à la fin de l'année au sud dans la direction de l'Antarctique. Ce qui rend ce bateau un peu unique, c'est qu'on a deux systèmes de gouvernail. On voit des petits gouvernails qui est derrière les hélices, et quand on navigue dans l'eau qui est peu profond, on peut lever la grande gouvernail, on peut piloter notre bateau avec ces petites gouvernails. On voit bien que la glace a cabossé les gouvernails, il faut qu'on le renouvelle. On voit que la coque a vraiment bien tenu du choc en Antarctique et dans l'Arctique. C'est un bateau, un dériveur. Ça veut dire qu'avec les deux patins comme ça, on peut se mettre sur la plage et puis là, notre bateau, il reste posé en fait sur la sable ou même sur les rochers. On a mis les protections de bois qu'on n'abîme pas l'alu qui fait la structure de notre bateau. On voit la coque complètement ronde qui est fait pour quand la glace forme autour de Pangaea que notre bateau est soulevé et qu'il reste sur la glace. C'est un bateau qui fait 35 mètres de long, qui fait presque 10 mètres de large. De le voir à l'extérieur de l'eau, on voit vraiment le volume que ce bateau représente en réel. Ouais. Pourquoi on a décidé de faire des travaux ici à Lorient? Tout simplement parce que c'est ici en 2008 que l'expédition Pangaea a commencé. Et puis de faire 27 tours du monde et de retourner là où l'expédition a commencé, pour moi, ça écrit l'histoire. Et c'est une autre histoire qui va commencer depuis les ports de Lorient. On a enlevé l'ancre. Et là, on voit vraiment la taille de ces machins que je peux à peine bouger. Et cette ancre, il retient
120 tonnes. La chaîne qu'on doit remplacer parce qu'il a rouillé après 12 ans de navigation, ça va de nouveau assurer mon bateau pour la prochaine expédition. T'as déjà dû faire des travaux sur ce bateau comme ça ou pas? Ça, c'est vraiment un peu la première fois depuis qu'on a mis les bateaux dans l'eau qu'on fait un chantier aussi grand pour renouveler notre bateau. Après, t'es reparti pour 10 ans ou 15 ans? Oui, là, après, je pars pour encore 12 ans. Et là, de loin, on voit les belles lignes de Pangaea. C'est un bateau qui vieillit jamais. C'est pour ça que je pense qu'on a encore tellement de possibilités avec cette belle bête. C'est vraiment un bateau qui est fait pour mes besoins. J'ai passé 12 ans de ma vie sur ce bateau. C'est ma deuxième maison, ou peut-être c'est ma maison aujourd'hui. Là, je vous amène sur l'échafaudage qui fait quasiment 3 étages de haut pour arriver sur Pangaea où c'est un chantier énorme. On part! Mais voilà, bienvenue chez moi! C'est la première fois qu'on va voir Pangaea comme ça. Oui, c'est la première fois et peut-être la dernière fois. Ici, on rentre dans notre garage. Il y a des gars qui bossent à fond. On n'a pas beaucoup de temps pour faire la réparation ou le renouvellement de Pangaea. C'est pour ça qu'on a des gars de valeur. Il y a Charlot qui est là. Il n'a jamais tourné en clé parce que c'est un journaliste avec GQ. C'est ça. Et puis, ça tape et ça fait des bruits partout, mais c'est égal. On a du plaisir. Et là, on a Renaud. Lui, il est responsable de tout et de rien. Il est là pour donner un coup de main à Jacek. Et c'est quelqu'un qui a une volonté d'apprendre et de faire des choses qu'il n'a jamais fait par avant. Et là, on trouve du fidèle Jacek. Ça va, Jacek? Ouais, ça va, ça va. Ça va, c'est les seuls mots qu'il connaît, parce que quand on est dans la merde, partout on a fait la voile, et puis on est coincé dans la glace, tu demandes à Jacek si tu vas bien, et puis il dit ça va, tu vas bien. Lui, avec les chewing gum, un peu de tabac qu'on roule, il répare tout. On rentre dans l'espace où il y avait les deux moteurs de Pangaea. Cummins a commandé des moteurs, c'est arrivé en France et maintenant il faut l'installer. On doit commencer par préparer le lieu de travail proprement, qu'une fois des moteurs qui pèsent presque 1,5 tonnes par moteur peut rentrer comme un main dans un gant. Là, ils les sortent à la grue, les moteurs. Ouais, les moteurs doivent être soulevés par les palans et les chaînes, et puis après on le met sur un rail et on le poussait à l'extérieur où il y avait un grue qui a venu pour enlever les moteurs. On a aussi décidé de changer des génératrices et d'avoir des génératrices qui consomment moins d'essence, qui polluent moins et important pour notre mission autour de cette planète. On a décidé de virer toutes les vieilles structures, qu'on mette notre bateau presque à nu pour reconstruire depuis une base qui est neuf et solide. Parce qu'un bateau doit être en harmonie, on ne peut pas utiliser des vieux systèmes avec les nouvelles moteurs. Ça veut dire qu'on a démonté tout ce qui était tableau de commande. Et là, on va commencer la reconstruction. Les seules choses qu'on ne va pas changer, c'est vraiment la coque du bateau qui est construite en alu. Alu, c'est un métal très léger et très résistant si on prend soin de l'alu. À l'origine, ce bateau était construit pour un programme éducatif pour les jeunes. C'était du programme de Pangaea. L'expédition Pangaea, c'est une expédition
où pendant 5 ans, j'ai amené des jeunes explorateurs autour du monde, au pôle Nord, au pôle Sud, traverser l'Atlantique, en Afrique du Sud, Nouvelle-Zélande, Australie, Asie, l'Amérique du Nord, l'Amérique du Sud. On a vraiment fait un voyage incroyable pour montrer la beauté qui nous reste sur notre planète aux jeunes pour leur donner l'espoir. Et puis après, avec les relations que j'ai eues avec les universités autour du monde, on a mis des professeurs sur ces bateaux qui pouvaient éduquer des jeunes de faire des programmes où on pouvait conserver en fait la beauté qui nous reste. Et en même temps, on fait des programmes de reconstruction de ces beautés qui nous permettent de reconstruire que nous, les êtres humains, a détruit. Mais voilà, on prépare Pangaea pour sa deuxième vie. Et puis, on est content et heureux d'avoir tous les supports possibles pour partir de nouveau un expert pour les prochains 10 ans. Mais voilà ce qui se passe actuellement avec Pangaea ici à Lorient.